Journal américain Washington Post fan Ariel Henry bout en bout pack en pack a c'est démentibilé média américain démentibilé Ariel Henry avec toute administration Joe Biden dans le pays États-Unis il dit qu'il a supporté le gouvernement Ariel Henry a mesdames messieurs ça c'est intégralité article ça qui c'est un éditorial board rédaction Washington Post a metté dehors et l'autre jour des cinq pays d'Haïti dans le chaos et pas capable d'aller plus loin. Li impossible pour Haïti continuer dégringoler, ça pas normal. Personne monde pas pour l'idée pour gagner une autre intervention internationale dans le pays d'Haïti et puis histoire qui pas trop longtemps depuis au passé et pas bail en pile raison pour un monde optimiste l'international là t'a envisagé voyez troupes dans le pays d'Haïti puisque et dernière fois ça fait tout ça pas jamais trop bien passé cependant et Washington Post a précisé dans absence action musclé et acteur extérieur acteur international yo pas gagné en pile scénario plausible côté que pays ça qui très tourmenté dans Caraïbes là qui déjà est un pays qui plus pauvre dans hémisphère occidental là capable pour pas descendre plus fond dans anarchie dans violence la rue dans effondrement économique avec souffrance humanitaire et chaos total une sorte de recette pour la mort désespoir en plus gagner une sorte de quantité monde cap sauver quitter pays là pour aller dans notre pays notamment dans les États-Unis. D'ailleurs, Washington Post rappelait que l'administration Biden a déjà envoyé 25 000 Haïtiens tourner la caille, expulser. Est-ce que ça est capable de quimber statu quo pendant qu'il y a propos d'ignorer les troubles qui sont en Haïti? Washington Post a parlé de l'État, le gouvernement fédéral des États-Unis. Yo dit que autorité américaine yo au contraire pendant qu'il a proposé yo il a ignoré ça qui passe à Haïti yo yo t'a doué repenser bagay yo d'ailleurs et c'est une folie si yo imaginez que bagay yo capable améliorer en Haïti en guise que yo détériorer davantage et journal la continuer pour dire dans éditorial ça m'a parlé de Washington Post gagné la guerre gang yo qui généralisée qui empare de tout pays a notamment 14 mois après assassinat président Jovenel Moïse, un crime qui toujours beaucoup personne ne connaît qui est-ce qui fait ça qui passe là-dedans, un vide qui était dans le pouvoir, contribuer à mener Haïti dans plus chaos selon Washington Post, selon Washington Post, aucune élection pas faite en Haïti depuis 6 dernières années, ça qui veut dire que le gouvernement qui a manqué légitimité et journal l'a dit, ça vaut tout pour Ariel Henry, premier ministre actuellement. Lui-même qui impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse, côté que en prise de sous pouvoir actuellement, c'est grâce à soutien Washington qui clairement toujours manifesté soutien yo by Ariel Henry qui vient cité dans la mort Jovenel Moïse. Et d'ailleurs, yo dit que Ariel Henry depuis qu'il prend pouvoir, bagay yo vin plus grave avec économie qui en chute libre, inflation qui a dégringolé, monsieur Henry li réduit et moi pendant moi ça subvention li retirer subvention l'état ici c'était comme mettre sous prix et gaz dans pompio ça qui déclenché en pile protestation violente à travers tout pays là d'ailleurs gien moun qui même parle de guerre civile de faible intensité actuellement en Haïti ainsi que gien demande démission que manifestants yo a demandé pour monsieur Henry et Baytalon. Dans quelques quartiers dans le pays d'Haïti, il y a des barricades dans la rue, il y a vandalisé business moon, il y a un pile paralysie dans le transport, acheminement de l'eau potable avec gaz pas arrivé dans le quartier, pas de l'eau, donc pas de manger. Donc c'est un pays qui est véritablement entré dans le chaos total. Parce qu'on rappelle que le journal l'a fait pour montrer comment la situation est actuellement en Haïti. En prise, Ariel Henry, sous levier, ce qui a passé dans le pays d'Haïti, sous gouvernement, il est extrêmement faible parce qu'il pas gagner il pas corriger bagaille autorité avec capacité administration pour maintenir l'ordre dans le pays a li sont bagaille qui pas existé plus passer 100 groupes civils avec religieux yo te mandé administration Biden nan pour retirer soutien yo FAIB yo montrer à Ariel Henry qui est accusé de corruption et puis qui est accusé tout de complicité
avec gang yo qui paralysait la vie dans Port-au-Prince et dans pile côté dans pays là depuis quelque temps. Les gouvernements, les administrations américaines soutenir premier ministre Ariel Henry, yo peut-être pensé qu'yo capable combler vide là et pourtant vide la vie plus complexe. Responsable américain yo capable tout essayer monter les épaules yo faire comprendre que et des autres qui viennent en Haïti là et absence démocratie là comme si t'as là li pa bagay pa yo pourtant que yo continuer et accepter gouvernement américain voyer haïtien tourner. Washington Post dit administration Joe Biden nan li capable toujours monter les épaules, li fait manger, fait comme s'il pas comprendre tout autant que gouvernement Ariel Henry a continué accepter que américain a pimpé tout Haïti, tout haïtien qui traverse les frontières illégalement, frontière Mexique là, qui vivait aux États-Unis. Pourtant, il est peu probable que statu quo li kembe. D'après Washington Post, ça qu'a passé à là, son question de temps, il pas qu'a kembe trop longtemps d'ailleurs. Événement semaine passée yo qui continue là yo montrer ça. Gen éminent chef gang avec personnalité dans opposition qui mandé manifestation pillage. Qui traduit par plus violence. Principal ambassade pays occidental yo fermé porte yo bay public là yo conseiller diplomatique yo pas sorti dans la rue. Selon information la police commencé refuser déployer aussi de côté qui gen violence. Ça c'est ça que Washington Post dit. Gen information qui fait quoi que gen policiers qui commencé réticent les mandé yo aller faire représailles sous manifestation yo. République dominicaine voyait troupes à sécuriser frontière entre Haïti pour éviter haïtiens débarquer par bonne par paquet. Sauver quitte Haïti, vini illégalement dans pays yo. Situation capable vini empirer puisque bagay yo rien pas montré que yo prêt pour améliorer. C'est une absence totale de responsabilité de la part du dirigeant yo. Nations Unies, OEA, gouvernement plus gros pays yo, y compris États-Unis avec administration Biden nan. Yo doit faire face sérieusement à effondrement pays d'Haïti et puis agir pour éviter un nouveau carnage avec souffrance pour peuple ça. Ça, c'est un éditorial qui exprimait point de vue board, comité de rédaction, journal américain, Washington Post, j'aime dire là, qui décrit un tableau sombre sous situation Haïti. Qui dit des bagailles? Entre nous, nous tous te connaît déjà. Même toujours aimé les journal américain qui accusait administration Joe Biden nan, comme soutien infaillible à régime sanguinaire ça qui est le PHTK qui pour moment gagne Ariel Henry qui remplace un autre mal pour autre qui défait malheureusement on dit malheureusement parce que place était dans prison qui était les Jovenel Moïse qui t'a fait même travail Ariel Henry ya. Ça Washington Post dit yo moi dit déjà nous connaît yo li évident que Haïti pas qu'à continuer comme ça et si bagarre la grave comme ça c'est faute internationale là notamment États-Unis qui toujours à la baguette. Ça a pas même bien débat sur lui parce que nous pas débattre sur évidence. Mais maintenant, est-ce que article Washington Post capable de faire administration Joe Biden changer position? Non, à mon avis. C'est pas première fois New York Times, Washington Post et Wall Street Journal, etc. a fait cet article ça pour montrer comment que et ça qui passe à Haïti pas normal et que Américain pour beaucoup là-dedans. Est-ce que vous changez? Non. Sans doute, board Washington Post là, fait travail. Il dit ça le doit dire, il dit ça le constater. Mais est-ce que le suffit pour faire bagaille la changer en Haïti? Non. Grand moyen pour bagaille la changer Haïti, moi rete quoi, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes qui pour prendre destin nous-mêmes pour nous rendre compte que ce soit Canada, que ce soit la France, que ce soit États-Unis, peu importe l'autre pays, Haïti pas pour yo. Haïti c'est pour nous. C'est nous pour décider de destin Haïti. Même là, nous décidons pour destin Haïti, mais dans mauvais sens. Souvent, Haïtien prend décision pour Haïti, mais dans mettez val pas mal pour honte, malandré. Ok? Tant qu'on est perché quand on m'a li, Laurent Lamotte, qu'on y a mis à faire promotion pour Claude Joseph, mettez sans sale dans tête pays d'Haïti pour traîner dans plus la boue. C'est nous-mêmes qui pour connaître pour prendre bonne décision. C'est nous-mêmes qui connaît est-ce que n'a quitté Bagala et n'a quitté Haïti disparaître avec nous. Bravo à chaque fois. Médias étrangers ont fait travail par yo que malheureusement en pile médias là qui refusé faire parce que en pile là doivent toucher l'argent dans mes X ou bien dans mes Y et spécialement dans mes l'État l'argent taxe encore pour cacher vérité mais li là tout le monde ouais li
Donc voilà, article ça, c'est une fois de plus qui montre que médias américains, en pile là-dedans, parfois yo pas et caché dit vérité à malgré en pile monde capable remettre en question ça crée la liberté de la presse actuellement à travers le monde. À bientôt mesdames messieurs, merci pour fidélité à page Midi Pierre Richard sur Facebook et puis channel Pierre Richard Midi sur YouTube. Ciao.